Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4 La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizère. Un plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter l'actualité. Actualité à Capal Focus sur le pays d'Haïti et avec l'autre côté dans le monde là, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, arrêté sous nomination cabinet ministériel là, paraît jeudi mardi 11 juin 2024 là dans le journal officiel PIA, Le Moniteur. États-Unis justice, petit garçon président Joe Biden, Hunter Biden, condamné pour 3 chefs d'accusation. La justice retenue contre lui en dossier possession illégale d'armes à feu. Et puis secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclaré, c'est aussi espoir, déclaration Hamas fait pour le dire accepter résolution Nations Unies que États-Unis patronné pour mettre fin dans la guerre Israël-Hamas. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, mais actualité mène nous d'abord dans la capitale Port-au-Prince, côté arrêté qui nomme membre nouveau cabinet ministériel là, paraît jeudi, mardi 11 juin 2024 là, dans un numéro spécial, numéro 26, dans le journal officiel PIA Le Moniteur. Dans arrêté ça, gagné 14 ministres pour 18 ministères, gagné 4 femmes et 10 garçons. Parmi eux, il y a le Premier ministre Gary Kony, lui-même qui est en tête ministère intérieur à collectivité territoriale. Ministère ça a bien pour organiser élection dans le pays. Il y a Carlos Hercule qui a dirigé le ministère la justice et sécurité publique. Il y a Dominique Dupuis qui lui-même qui est ministre affaires étrangères des cultes. Donc, ancien représentant Haïti dans l'UNESCO nommé comme ministre haïtien qui vit à l'étranger. Kathleen Florestal, lui-même, nommée comme ministre économie et finance. Madame Florestal a bientôt portefeuille ministère planification et coopération externe. Et puis, il y a un professeur Antoine Augustin, qui nommé comme ministre éducation nationale et formation professionnelle. En même temps, il va diriger ministère culture et communication. Et puis, Marie-Françoise Suzan, nommée comme ministre conditions féminines avec droits femmes. Semblier Nyola Lynn Sarah Devalus, lui-même, qui, Octavius, et bien, qui nommé comme ministre jeunesse et sport et action civique. Donc, c'est arrêté ça qui sortit et qui fait qu'on est non monde qui fait partie de nouveau cabinet ministériel ça avec docteur Gary Kony comme premier ministre. Pendant ce temps, gagnant et avant même et arrêté ça, t'es sorti gagnant collectif 30 janvier. SDP, bureau suivi à Comontana, et même, yo dit, on prend distance par rapport à gouvernement ça qui gagne en tête li Gary Kony. Pourtant, pour parti ça, yo t'es présent dans tout processus qui débouchait sous nomination Gary Kony. Nous allons rejoindre Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Plusieurs partis politiques qui signent à 4 avril 2024 là désapprouvé façon nouveau cabinet ministériel là sous pour prendre forme. Parti ça yo bien que yo représenté dans conseil présidentiel transition semblait paré pour passer dans opposition dans jour qu'a venir là yo. Mouvement Montana informé population li pas participer à aucune discussion ni manœuvre avec membre conseil présidentiel transition pour placer moun dans prochain gouvernement. Selon Montana, méthode qui utilisait dans négociation yo semblait tête coupée à ancienne pratique yo, ça qui visait affaiblir personnalité qui choisit pour diriger prochain gouvernement côté grand pile position qui prend dans ça qui concernait avantage personnel. Montana exprimé position ça dans les tout l'ouvri li adressé à membre conseil là. Bon côté pal, secteur démocratique et populaire dans une note qui portait signature met André Michel informé membre yo et population li pa gagné aucune implication dans processus qui en cours dans ça qui concerne formation gouvernement malgré diverses rumeurs qui circulent dans sens ça. SDP réaffirmé engagement pour faire promotion et puis défendre bonne action ancien gouvernement docteur Ariel Henry notamment assainissement finances publiques là avec bataille contre corruption n'a cité. Collectif 30 janvier qui regroupait partis politiques unis en Mopod PHTK Gré OPL avec la P yo même tout yo annoncé yo prend distance par rapport à prochain gouvernement Gary Kony. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Donc c'est déjà quelques réactions qui a sorti depuis avant même a sorti arrêté à pour prendre position par rapport à gouvernement. Donc c'est en opposition qui a dessiné dans les n'a suivi pour. Et puis l'autre point d'actualité a gagné policier qui mourit dimanche qui saute passé là en bas mais gang armé continue à provoquer réaction dans plusieurs secteurs dans la vie nationale. Par exemple, gagné Premier ministre Gary Kony qui lui-même
condamner action gang et l'exprimer engagement que équipe li a prend pour capable condamner traîner devant la justice et condamner selon la loi moun ki ta commettre crime sa yo sous policier yo. Et Machado Vilmé, c'est correspondant nous dans votre presse. Depuis commencement année 2024 là, groupe civil armé qui réunit en bas Espriti qui relève vivre ensemble, pas suspend si mede dans mitan population. Même en dans institution la police là pas épanier. Côté c'est pour pipiti 20 policiers bandits ont touillé à plus passer 10 commissariats, sous-commissariats à plusieurs prisons. Bandits ont crasé et puis boulé seulement dans commencement année 2024 là. Nouvelle fait qu'on est tout. Sorti novembre 2022 arrivé juin 2024, c'est pour pipiti 5 machines blindées la police bandits ont boulé. Zaxilayo, qui semblait révolter nouveau premier ministre la Dr. Gary Conny, fait qu'on est libre de bataille contre violence et impunité qui blaye dans la société depuis plusieurs années. Une déclaration, premier ministre l'a fait à travers une vidéo, bureau communication la primatique publiée à lundi 10 juin 2024 là, 24 heures de temps après assassinat 3 policiers Itagio, qui c'est Fermetis Emelin, Piton Wilkins, Jean Junior et Clovis Peterson. Pressé, faut que nous mettons la patte sur le monde qui commet crime ça. Arrêtez et puis traîner devant la justice. Nous tous nous mobiliser pour la justice blaye tout partout et pour Zach Sayo, pas ailleurs encore. Le gouvernement m'a informé et puis il commence le travail. Je vais prendre toutes dispositions qui sont nécessaires pour chercher trace tout bandit, quel que soit côté yo caché. Je dois arrêter. Il doit juger et il doit condamner d'après la loi. Moi, réaffirmer détermination pour renforcer mesures de sécurité, pour protéger la police à tous les compatriotes, et puis quel que soit étranger qui est sous territoire national. Dans la même vidéo, aussi là, chef gouvernement m'a demandé concours population pour aider à traquer bandits. Moi, je demande population en poté collé à l'autorité. Pour bailler toute information qui t'a capable aider dans l'arrestation responsable actes atroces. Sécurité et justice, c'est un gros combat qui m'a des têtes collées pour garantir un avenir côté tout le monde qui a même droit et puis capable de vivre sans cœur sauter. Toutefois, chef primatier a promis pour accompagner la famille 3 policiers qui mourent dimanche 9 juin 2024 là en Babal Bandi dans Delma 18. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Machado Vilmé pour VOA Créole. Merci Machado Vilmé. Actualité à mener nous connaît dans la région Nord-Pays à côté de la justice. Arrêté 12 mounes dans le cadre d'enquête sous disparition de Ticano dans Citadelle La Ferrière. Détail à correspondant nous dans la ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays, Gérard Maxino. Commissaire gouvernement juridiction Cap-Haïtien, M. Charles-Édouard Durand fait qu'on est. Il y a 12 personnes qui jouent arrestation dans le cadre d'enquête qui a mené sous disparition de Ticano dans la citadelle Henria, 21 mai 2024 passé. Selon le commissaire gouvernement, c'était un vol planifié. Il y a plus qu'une douzaine de personnes qui sont en état et il y a plus que 3 mandats qui sont décernés. Mais au vu des informations que nous avons bien au fur et à mesure, nous pensons qu'il y a d'autres mandats encore qui peuvent décerner parce qu'il y a des noms nouveaux, il y a des nouvelles têtes, il y a des personnes insoupçonnées qui sont impliquées dans le vol. C'est un vol apparemment qui est planifié, qui est bien planifié. Donc nous estimons que c'est grave, c'est très grave, et nous-mêmes, tous les noms qui dénoncent là-dedans, toutes les informations que nous jeunes qui sont sensibles là-dedans, nous décidons de mettre l'action publique en mouvement contre Mounsao en décernant des mandats pour que Mounsao vienne répondre aux questions de la justice. Numéro 1 paquet au Caplan, Charles-Édouard Durand déclaré tout individu qui en bas de a défendu tête comme quoi il est innocent. Mais selon le commissaire, parole paraît contradictoire. Yo tout gen des langages et de dénégation. Tout monde a dit non, c'est pas yo, non, c'est pas yo, non, pas connait, non, pas connait. Mais nous vinn d'accord dans ça, dit que gen contradiction dans langage yo. Et c'est en vertu de contradiction ça, yo dit et on ba à gauche, on dit ba à droite, ça c'est ba pas corroborer, ben pas marcher qui fait que nous décider mettre et que en état et que nous pour nous envoyer en instruction. Donc parole pas marcher et on senti que gen go bay ki pa clair dans sa que a dit yo. Mais en fait de certain c'est que vol là son vol planifié et
bénéficier de complicité interne. Chef Paquet Okapla dit la justice déjà mette action publique en mouvement que tout le monde qui t'a gagné doit être trempé dans la disparition de Tikano Sao dans la citadelle en Ria. Chef poursuivant, mandé collaboration toute population hein, pour aider aux jeunes de Tikano Sao qui, selon lui, c'est fierté tout haïtien. Jira Maxino, Cap Haïtien pour la Voix d'Amérique. Vous souvenez wa créole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien, gagné petit garçon président Joe Biden qui lui-même condamné pour toutes les accusations que y a été la justice qui contre lui n'a pas retourné sous nouvelle ça dans un petit moment. Et oui, vous toujours sauvé ou à créole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien. T'as annoncé le petit garçon président Joe Biden, Hunter Biden, qui condamné pour 3 chefs d'accusation. La justice est retenue contre lui dans 4 dossiers possession illégale d'armes à feu. Sandra Lemaire, abdi-nous plus. Jury a nan posè petit garçon président Joe Biden, Hunter Biden, nan état Delaware, joine monsieur coupable de violation loi fédérale qui gen pour wè exam à feu. La justice accusé Hunter Biden d'est-ce qu'il était bay menti, l'ol t'absémenté, li pa prend drogue, l'ol t'a acheté aux armes en 2018. Hunter Biden t'a gen 3 chefs accusation qui t'a pesé sous doule pour zam li t'a kembé pendant 11 jours seulement avant veuf Freely t'a joine li nan camion pick-up li et puis jeté nan trash. Jury a t'a joine monsieur coupable pour tous les 3 accusations yo. Avocat défense yo t'a dit accusation pas prouvé Cali. David Weiss, c'est maître et spécial qui t'a géré dossier pour département justice les États-Unis. No one in this country is above the law. Everyone must be accountable for their actions, even this defendant. Lisi tout moun dwe pran responsabilité pou aksyon yo, mèm akuse sa. Cependant, Hunter Biden pa ta dwe oblije pran plus responsabilité pase aucun lot citoyen ke yo kondane pou mèm comportement. Akusasyon pran engagement ferm pou respecte principe sa. Président Joe Biden, qui part dans le tribunal là, a publié une déclaration qui dit « Joe avem nous remet petit garçon nous en pile et nous très fiers de moun que lié jodi a. Gen en pile famille qui goumen à problème addiction et moi comprendre fierté que ressenti le yowè moun yo remè en quitter addiction en tombé et puis reprendre vie avec résilience et puis courage. » Porte-parole Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, annoncé jeudi à que y a annulé conférence pour la presse quotidienne et que Biden pral passer soirée à dans état Delaware. Hunter Biden publié une déclaration tout côté li dit li très reconnaissant pour l'amour ak support li recevoir semaine passée à bon côté madame ni Melissa, famille, zanmi li ak communauté li et que li très déçu ak décision jury a. Républicain en Congrès a réagi à la décision jury à tout. Lee Stefanik représentait New York dans la Chambre des députés. Well, first, let's remember this was Joe Biden's corrupt DOJ that tried to negotiate a sweetheart plea deal. Lee a songé que c'est département justice corrompu Joe Biden qui était essayé négocier une belle entente pour immunité dans quatre dossiers ça. Et c'est juge là qui était exposé tentative là. Jodi a ses premières étapes dans j'ai nous pour exiger famille criminelle Biden prend responsabilité. Procès ça, c'est deux parmi deux procès la justice a mené contre Hunter Biden, le moment papal a essayé réélu président. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Actualité internationale a mené nous connaît dans région Moyen-Orient toujours avec guerre Israël Hamas là. Donc militants Hamas eux-mêmes ont déclaré ils supportaient résolution Nations Unies pour mettre fin à guerre entre Israël là dans territoire Gaza. Jean-Baptiste Philippe studio très près pour nous et dossier ça. Eh ben faut dire que militants espéraient États-Unis a assuré Israël respecter point qui n'a résolution ça que le patronné même les mêmes dans Nations Unies Jean-Robert Kinsaï. Oui, effectivement Jacques Jean Saïe, c'est que médiateur Qatar
avec l'Égypte, et bien, il recevoir officiellement une réponse dans le Hamas qui dit que effectivement il est couru ou bien qu'il a supporté la résolution Sahara que les Nations Unies prend, que les États-Unis déploient un plan pour mettre un fin dans la guerre Hamas a mené ou bien qu'ils a mené contre Hamas dans le territoire Gaza. Cependant, d'après les négociateurs, les médiateurs, ils disent que notre qui vient même, une déclaration que militants et palestiniens, ou bien djihad palestinien dans le territoire Gaza, même ensemble avec Hamas, aussi un document qui dit que ils parient pour agir positivement toute négociation qui est capable d'aider à mettre fin dans la guerre qui arrive sous 8e mois. Militants Hamas ont accepté une résolution des Nations Unies qui supportait un plan États-Unis présenté pour mettre fin à la guerre avec Israël dans le territoire Gaza qui arrivait sous 8e mois, d'après Sami Abou Zouri, un officiel replacé à Hamas qui vit en dehors du territoire. Abou Zouri a ajouté que le groupe militant paré pour les négocier des détails, mais Washington doit assurer que Israël respecte la résolution. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a rencontré la famille otage dans Tel Aviv, qualifié décision à Hamas comme un signe espoir. Well, I say it is a hopeful sign, just as statement that they issued after the president. Eh bien, moi dis c'est un signe espoir. Même Jean avec déclaration a été fait après président Biden, t'es fait proposition tant aimé passé à. Mais nous toujours besoin parole définitive, leadership Hamas dans le territoire Gaza même qui en bas siège Israël. C'est ça qui comptait et c'est parole ça nous pour attendre. Conversation sous plan de cessez-le-feu dans Gaza après guerre Israël-Hamas la fini a continué mardi 11 juin avec deux prochains jours d'après déclaration secrétaire d'État Blinken fait dans Tel Aviv après les fins rencontrer responsables israéliens. Dit important pour nous gain plan ça yo nan 14 membres Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté en faveur résolution excepté la Russie qui abstenu donc qui pas voté ni pour ni contre. Today we voted for peace. Représentant États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, déclaré après votre Conseil de sécurité, nous votons pour la paix. Мы не стали блокировать резолюцию лишь потому, что её Représentant la Russie dans le Conseil Vassili Nebenzia déclaré non pas de vouloir bloquer résolution à cause d'une résolution tout simplement d'après ça ne comprendre pays arabes supportent. Représentant Israël dans le Conseil là Gilad Erdan était présent pendant votre là mais il pas de prendre la parole. Cependant un diplomate replacé israélien Ruth Shapir Ben Naftali déclaré Israel is committed to these goals. To free all the hostages, to destroy Hamas's military and Israël est toujours pris engagement pour objectif ça yo libérer otage détruire capacité militaire Hamas pour le diriger et puis assurer le Gaza pas représenter une menace pour Israël à l'avenir. D'après diplomate là, c'est Hamas qui empêche guerre fini. Hamas et Hamas seulement. Proposition président Biden a envisagé un cessez-le-feu avec libération otage en échange pour libération palestinien qui est en prison en Israël par étape et finalement ils ont fait permanent en guerre. Israël fait connaître l'ab d'accord seulement pour faire une pause temporaire en guerre jusqu'à ce que Hamas fait bekate. En réaction, Hamas dit qu'il n'a pas accepté aucune entente qui n'a pas garanti que la guerre a fini. Dans le territoire Gaza même, jeudi mardi, les Palestiniens ont réagi à précaution. Après votre Conseil de sécurité à l'air fait connaître, c'est capable d'une autre initiative cessez-le-feu qui est capable de pas avoir aucun résultat. D'après un Palestinien déplacé, c'est l'énawe, n'a quoi. Dans la déclaration Hamas fait après le Conseil de sécurité des Nations Unies a fini de voter sur résolution, il fait connaître, il paraît pour coopérer avec les médiateurs sous application ce principe qui n'a plan cessez-le-feu États-Unis. Le plan Israël dit, il accepté à cause des garanties de sécurité. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Docteur Kouno Kapabouel et actualité dans la région Moyen-Orient, toujours dans tête liste actualité dans le monde. Et puis nous parlons de l'immigration, côté que bon paquet d'immigrants qui dans la zone Texas, qui pas connaît qui soit aujourd'hui. Gentil Augustin Junior, il y a un détail.
Ancien base navale dans ville Los Fresnos, qui sous une distance quelques kilomètres frontière, entouré à gros clôtures métalliques avec fil fer, presque plein. 1006 immigrants, tous ces garçons. Autorité y ont organisé une visite pour média yo là, sans yo pas permettre yo parler avec prisonniers yo. Miguel Vergara, chef la police immigration pour branche locale Harlingen, te parlé avec journaliste yo. Jodi a, nous gen 1006 moun nan détention. Sant lan ka akomode yon maximum 1175 moun. En moyenne, quantité tan yo kenbe yon moun nan détention nan Port Isabel dépend de qualité ka. Chaque ka yo jige sou base propre yo aussi longtemps que États-Unis gen yon bon raison pou pas déporter yon moun nan pays origine li. Nou gen autorité légale pou kenbe yo. Fami ki entre aux États-Unis et puis ki rend tête yo bay garde frontière yo, généralement yo libéré yo bien vite. En attendant, yo paraît pita devant yon juge. Nan théorie, séjour yon prisonnier pas ta doit dépasser 90 jours. Mais nan réalité ya, en pile fait appel. Et puis yo toujours kembe yo pour plusieurs mois. D'après chef la police immigration, prisonnier ki kembe nan détention yo nan Texas, c'est parce que yo représente yon risque sécurité nationale. Moun nou kembe ici la nan Port Isabel, selon priorité département, moun ki représente yon risque sécurité nationale, yon danger pour sécurité publique, ki te mine et fort contrôle frontière nou yo. Au soir, ki te traverse États-Unis dernièrement. Donc, nou kembe moun sa yo, et puis nou classe yo d'après quatre priorités sa yo ki se priorité département. Après yon examen médical, yo divisé en secteur selon couleur uniforme yo. Caméra surveillance couvri presque tout coin dans centre là. Immigrant yo ka apprendre anglais et puis participer nan atelier chant au soir guitare. Genye ki passe temps yo nan fè dessin soumi. Chaque moun gen accès à yon isoloir privé. Kote yo ka rele yon officiel immigration pour présenter demande asile yo. Yo écrit yo pour réponse là. Nan ka yon refi, li possible pour yo faire appel. Gen yon tribunal nan centre là. Ka parfois aller nan tribunal suprême. Moun ki pa vle rete nan détention, yo ka mande pour yo voye yo tourner nan pays yo. Et puis mette fin nan posedi ya. Yo refi définitif demande asile là. C'est synonyme expulsion. Si yo accordé yo asile là, yo pral finalement libéré prisonnier ya nan 48 de temps. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis quand on nous pral nan Orlando, nan Santa Eta Floride, côté que gè secteur d'affaires là qui dit que yo salue compétence et docteur Guy Conin comme premier ministre, mais yo gen des réserves, nous pral rejoindre Yves Monpremier. Nomination Dr. Gary Conin na place premier ministre pour diriger nouveau gouvernement haïtien, c'est un très bon choix pour pays d'Haïti. Ça c'est déclaration président Chambre commerce haïtien américain dans ville Fort Myers dans sud-ouest état Floride. Monsieur Louis Osni qui t'a parlé avec VOA Creole sur situation pays en fait connait. Dr. Gary Conin vient toute expérience et compétence pour mener Haïti dans bonne direction. Cependant, monsieur lui bien gros cœur sauté sous volonté docteur Gary Conin. Élimination des ministères particulièrement ensemble avec retirer ça qui gagne ensemble avec haïtiens vivant à l'étranger parce que ça a capable y aller faut y penser lui. Et puis parce que premier ministre lui-même est-ce que lui-même il va monter un gouvernement côté que lui-même la ka dirige pays à une façon pour nous capable venir un président ou bien c'est pour chita là pour aider monsieur qui dans conseil présidentiel yo gérer pouvoir yo son sens là pas connait comment ça va le faire so me souhaiter que les gain bonne intention concernant force multinationale là qui doit arriver dans pays d'Haïti avant longtemps li fait connait devant phénomène insécurité qui prend terrain plus toujours dans pays hein. Présence force là, c'est une nécessité. Pendant le souhaité pour y renforcer capacité la police nationale et permettre bon fonctionnement force armée d'Haïti. Force internationale là, c'est qu'ils ont bonne idée, même parce que faut taguer un budget pour aider réformer l'armée.
haïtien et puis faut taguer un budget pour renforcer police nationale là. Dans l'argent, c'est pas seulement pour aller à Bayhead avec ça yo qui est. Mais de tout matériel qui a mené en bas, yo, pas pour payer, ça veut dire venir, venir avec le travail pour aller après. Président Cham Commerçant, tu parles comme ça à Gréo à Creole pendant un bref passage week-end dans Ville Orlando. Yves, mon premier, Gréo à Creole, Ville Orlando, dans l'État Floride. Merci Yves Montpremier. Hier, c'était Projection, un film que Haïtien fait en parlant de Kidnapping Inc. Et t'es un paquet de gros acteurs qui jouaient dans le film. Gagne un marqué cité, c'est Ashley Larac, qui c'est une figure très connue en Haïti. Et nous t'es gagné plaisir au festival film ça qui jouait dans le festival après que le tenant Sundance en a loin sa vibrer. Après Sundance Festival, yon gros plateforme, film cinéaste haïtien Bruno Moural, Kidnapping Inc. participé dans Caribbean Film Best Carnaval Festival AFI Silver dans Maryland. C'est première fois projection film dans fête devant un public qui presque 100% haïtien. Ça qui représentait une satisfaction pour cinéaste Bruno Moural qui apprécie réaction publique là pendant projection. 90% monde qui était là c'était des haïtiens et m'étais très impressionné pour voir que moun yo vraiment content ouais film là, gens yo répond à tout les messages que nous passons dans film là, tout type blague, tout layer yo que nous mettons dans film là, moi moun yo correspond à yo, moi yo ri dans moment pour yo ri, moi yo comprendre tout bagaille et ça fait plaisir. Kidnapping Inc, c'est une forme tragicomique qui mettait en vedette Samuel André ak Wolafton Mercure qui jouait Wall Zo et Doc ak participation yon paquet acteurs bien connus parmi yo yon figure internationale tant kou Jessica Généus, semblier Manfred Marcelin, semblier tout et vedette tant kou Jimmy Jean-Baptiste, Annabelle Lopez, Guillaume Leuet. Projection sa fête devant un public select, parmi yo cinéaste la lui-même, Bruno Moural, yon nan producteur yo, Gaëtan Chancy, ak présence plusieurs participants ak acteurs nan film nan. Après Sundance, vous connaissez, c'est un paquet étranger qui te voit film nan. Mais là, c'est la première fois que film nan joué vers un public haïtien, et nous voyons réaction moun yo, jan moun yo li, yo crié, parce que quand il l'émotion et non je vais retourner. Napsi aller Gilbert Mirambo qui part là, c'est youn nan producteur yo et youn nan moun qui écrit histoire film nan Kidnapping Inc qui présentait yon tableau sous kidnapping qui c'est un phénomène de société et qui exposait tout yon paquet réalité pays d'Haïti tant kou ingérence étrangère, magouille politique, implication la police et classe sociale, extension kidnapping nan qui associé ak yon paquet combine. Film nan présenté Zak Kidnapping ak tout cruauté et violence qu'il a donné. Sans oublier transaction yo. Gen satisfaction bon côté moun qui te vin assister projection. Leslie Samedi, c'est un animateur radio dans Maryland. Film a touché un peu le monde, film a dit plus ou moins ça qui passé pendant l'époque et intense ça yo et que le pays a traversé. Donc, nous-mêmes qui à l'étranger, nous t'en ai parlé, plus ou moins nous recevoir des vidéos. Et le film, là, c'est une représentation de période de crise que le pays a traversé. Nous avons parlé avec plusieurs personnes qui ont assisté à la projection. Il y a un Ladao qui bat bravo pour le film. Pendant que l'autre lui-même qui dit que le film n'a pas été en réalité plus près de yo. C'est bien très bon. En vidéographie, c'est très bon. Et son bon. Bien monté. Tu as exposé un peu de bagarre dans le pays, hein, comme passé, que tu as supposé prêter attention. Film cinéma ça qui était déjà passé dans Sundance Festival à Caraïbes Festival dans Maryland, pap chita là. Il est côté pour l'aller encore d'après cinéaste Bruno Moural. Film là va continuer faire plusieurs festivals et puis la prochaine fois que la joue là c'est Shanghai jusqu'en Chine et semaine prochaine, la joue Montréal pendant l'été en juillet. Donc toute communauté haïtienne qui Montréal là, moi parce que t'es que elle supporte film là. Et puis après ça l'a joué en France en septembre et puis l'a continué à aller dans plusieurs festivals et me pense d'ici fin année elle a peut-être sorti dans quelques salles select aux États-Unis et dans l'autre pays. T'es gagné une session question réponse après projection film là et Bruno Moural t'es signalé un fait qui spécial qui c'est le fait que il t'a fait un kidnapping sur une équipe pendant même que le t'a tourné film ça qui est kidnapping. Donc c'était kidnapping dans kidnapping.
Et voilà, c'est là n'a pété fin dans programme là. Bon, on dit que Organisation internationale pour migration, eh ben, il fait sortir un rapport sous situation dans pays d'Haïti, surtout sous monde qui déplacé. Moi c'est Jacqueline Belize, c'est ton plaisir pour nous te servir. Pas oublier nous toujours là et consulter l'autre plateforme pour capable gain dernière nouvelle qui sortit sous actualité à dans pays d'Haïti et dans international. Moi c'est Jacqueline Belize. Bonsoir et à demain. Signer, analyser, discuter, ça gagne comme information. PM Gary Conille, vous me dit bien, Premier ministre Gary Conille, monsieur parlé. Monsieur dit que trois policiers mourio, lycée ont attaque direct contre la sécurité l'État que bandi armé fait, mais sous la police, sous l'État et sous ensemble institution yo. Et je dis, hein, Gary Conille clairement dit que li pral bay réponse direct avec bandi yo. Li pral frappe sérieusement bandi yo. Est-ce que sa PM nan di an, li pral tourne yon réalité? Mais Gary Conille clairement dit que bandi yo qui commet action ça, mais l'État que li même déjà, li se chef gouvernement lan, bon côté conseil présidentiel lan, yo pral bay yon réponse proportionnelle avec bandi yo. Genye encore syndicat en de la police nan. Sinapowa et SPNH 17, yo clairement dit que POC LB révoqué. POC chaîne commande la police nan révoqué. Et selon Lionel Lazare, li mande policier yo pou yo boudé question 12 juin ka marqué fait la police nan. Boudé activité ça. Pas aller la donne selon Lionel Lazare. Il dit jeudi, hein, l'éclair bataille déclaré entre un bandit avec la police nationale d'Haïti. Il encore a exigé que l'autorité n'a plus au niveau dans l'État pour y'a des moyens nécessaires, adéquats avec un policier pour y'a capable de résoudre le problème qui est là selon Lionel Lazare. Barbecue Palais et n'a fini avec ensemble de déclarations sa yo, déclaration PM non, déclaration Gary Desrosiers, déclaration Lionel Lazare, déclaration barbecue Kikounia, à côté de zam que bandi vivant sa yo genyen nan Badelma, barbecue tout na commencé à faire sa rele distribution manchette bay moun ka viv nan Badelma. Ça veut dire barbecue prend place arabe lan, il a bay manchette et il dit et pas seulement avec exam capitaine la et policier yo capitaine soldat la mer yo capitaine mission an, mais moun andan Delma tout y a tant et moun sa yo avec manchette nan mer yo parce que à la guerre comme à la guerre et mais monsieur clairement dit que des civils là la fête selon sa barbecue dit nous va venir avec ensemble de déclarations sa yo et pour nous permettre que nous-mêmes nous capable tendre et comprendre ça qui est là comme information des comment est mon frère. Blessé personne, la nouvelle est bien en forme. Quand on est jeune, on a calfou vérité pour nous venir parler avec des amis internautes, tout simplement, dans l'idée pour nous permettre de rester bien informés sur ce qui a passé en dedans, pays d'Haïti, parce que Jouyo a annoncé triste, surtout pour institutions policières, en cap qu'on est, des situations extrêmement difficiles pendant Yota Doué pour aller célébrer 29e année existence et institution c'est là, malheureusement, que bandit. Et rendre la situation une 4 fois plus difficile par rapport avec les policiers que nous connaissons qui mourent déjà dans l'année qui sont passées et année là la situation chiffre là vraiment haut sur quantité de policiers qui perdent la vie. Fondation J'éclairé FJKL condamné avec force assassinat 3 policiers et dans unité temporaire anti-gang ITAG qui perdent la vie dans Delma 18 dimanche qui était 9 juin 2024 là selon organisation ça crime ça est choquant en pile et c'est résultat et corruption et qui gangrène pays a qui conduit dans situation ça pendant yo même yo prend même position diverses organisations APC d'autres plan pour garder et soit changement dans le commandement de la police qui pas répondre avec ça qui gagne à désidérata population même avec policiers qui fait partie institution qui participent perdre la vie yo. Et gagne protection civile office de protecteur citoyen li entendre pour dire pour amélioration, condition sécurité pays a, doit passer à travers un changement dans le plus haut niveau police nationale d'Haïti. Je vais parler de direction générale police nationale d'Haïti. L'y accusé comme quoi, il y a une connivence à gang
et dans une note pour la presse que vous mettez dehors, eh bien, à dimanche là, OPC mandé pour y commencer à qui un plan fitting en dedans et police nationale d'Haïti pour mener enquête dans institution en bas supervision, yon instance polyvalent qui compétent qui gagne bon gens technicien là-dedans pour arriver qu'on est ensemble des nèg qui dans état major la police, ensemble nèg qui se tient agent qui associé avec gang qui permet que situation vienne quatre fois compliquée Blaise Peterson. Dans un communiqué conseil présidentiel la mettez d'ailleurs yo dans soirée dimanche qui était normalement 9 juin 2024 là, yo confirmé c'est trois agents Itaga qui mouri après yo té prendre dans une embuscade dans zone Delma 18. Conseil a présenté condoléances à famille victime yo et puis collègues policiers yo. Dans notre ça, conseil présidentiel transition renouveler détermination pour renforcer capacité opérationnelle force publique yo pour combattre gang exam capta et mandat tout partout à travers pays ya. Gary Koni, à travers discours qu'elle bail réaction venir Blaise Peterson gagné responsable Sinapoa qui déclarait nous tant de discours PM Gary Koni sur la mort trois policiers Itagio Sinapoa a dit PM non nous bouquet attendez bel discours ça yo déjà rien pas jamais fait. Parole sa yo, pa kembe encore. C'est action, nous besoin. Syndicat a mandé, corps de policiers yo, sinon, n'a passé dans l'autre phase, jusqu'à ce que nous arrivions satisfaits. Ça, c'est ça qui concernait, question policiers qui mourir yo. Mais, gen diverses rencontres tout, Blaise Peterson, qui arrivait fait pendant la journée, pour garder dans l'ensemble des ministères. Te gen Paul Jetti Altidor, qui était pratiquement ta cab vini, dans le ministère affaires étrangères, et bien, pour qu'on y a, c'est pas lui-même qui sous table encore, t'es gain, on demoiselle, qui nous songe, red aidé avec compromis historique t'es proposé. Nous voulons parler de madame Dominique Dupuis, qui représentait le pays d'Haïti dans l'UNESCO, et bien, c'est lui-même qui t'a sous table là, pour venir ministre affaires étrangères, dans le gouvernement transition. Selon information, gagné, conseil présidentiel transition, qui votait à l'unanimité, pour capable permettre que madame Dupuis vienne ministre affaires étrangères, dans le gouvernement, si là, Blaise Peterson. Pour ça qui concernait, et le premier ministre Gary Koni, en rencontre qu'elle fait pendant la journée en tout, premier ministre qui souhaitait pour le garder portefeuille, ministère intérieur à collectivité territoriale. Pendant la discussion, yo, a continué sous ministère la justice et sécurité publique, eh bien, tant que Jean-Pierre Mounkonel, te genon, Carlos Hercule, qui t'a cité, t'a fait quoi que monsieur, t'a en pôle de position pour le cabriver, gagner ministère cela, Blaise Peterson et son internaute. Nous pouvons analyser, nous pouvons questionner, comportement bandit, agissement bandit, déclaration, ensemble autorité, qui n'a plus au niveau, qui n'a plus au niveau l'État, pardon, APC donc fait là, est-ce que c'est pas parole pour faire dormir, est-ce que c'est pas parole pour satisfaire le monde, pendant situation à 24 fois plus difficile, et barbecue mouté qu'elle mange guêpe. Barbecue, c'était non, un policier. Qui, dans Solino, il fait quoi, t'es qu'on gagne deal, Zam Avel, t'es qu'on gagne deal, Katouche Avel, il fait quoi, qu'elle t'ait développé des synergies, elle demandait, barbecue, qui dit qu'elle était victime des organisations qui défendent Douamounio, barbecue demandait pour organisations qui défendent Douamounio, qui a responsabilité pour qu'on ait, dans qui condition, policier Silayo, rivé mourir, dans la zone d'Elma 18. Elle fait quoi? C'est un policier qui t'a décidé pour un char pour ta London, Blaise Peterson, nous pouvons analyser, nous pouvons questionner ensemble, pour ça, ensemble, avec Zami Internet. Effectivement, les Ivenes, nous pourrons analyser, questionner ensemble de points ça avec les amis internautes nous. Et pendant qu'ils pourront venir avec Jean Dédien, ensemble de extraits sonores, et PM Gary Koni, et Papa la police qui s'est Gary Desrosiers, et Lionel Lazar comme une syndicat de la police. Nan. Et pourquoi pas pour nous t'aider barbecue quand même qu'à parler, parce que ils disent déjà clairement que les mourir déjà. Les mourir déjà, ils sont ou morts en vacances. Ça veut dire que la police, que l'autorité prend engagement, yo, que l'autorité concernée prend responsabilité, non, bah, réponse avec bandit armé, ça, yo. Nous pouvons mettre qu'entendez PM Gary Koni et n'a fait des réactions, n'a fait des réactions, n'a fait des débats sur ça tout pour nous capables aider nous comprendre plus bien ça qui dit là aux amis internautes en venant avec Gary Koni. Et en venant avec Gary Koni des Ivenes. Très bien, l'important pour d'avoir été arrangé pour venir avec Gary Koni, qui va permettre que mon Dieu tende, qui Jean Gary Koni, comme chef CSPN, adresser question la mort policier, lycée premier des policiers de la situation. Exactement. C'est mieux, compatriote, moi. C'est avec gros tristesse en pile d'indignation. On était après le nouvel assassinat trois policiers dans le service, dimanche 9 juin 2024, là, pendant que tu as rempli deux voies. Zak Barbarissa, c'est une attaque directe sur sécurité et la stabilité nationale. Moi, je voyais qu'on a les familles policiers qui disparaissent et puis à collègues et amis.
Je voulais profiter et exprimer un passé spécial pour tout l'autre policier qui disparaît dans les mêmes conditions. Je partage la douleur dans un moment gros la peine ça et puis garantir un support inconditionnel. L'État a supporté la famille des victimes avec dignité. Il n'a pas abandonné madame et petite policière qui a fait un gros sacrifice. Ça. Non, il y a ça. Ferme tu sais Melin, Piton Wilkins Jean Junior et Clovis Peterson doit être gravé dans la mémoire collective comme moun qui a courage, dévouement et qui a sacrifié la vie pour protection communauté. Moi condamné à toute force zak criminel sa yo et moi continuer pour engagement pour me bataille sans prendre souffle contre violence sans impunité. Pressé pressé faut que nous mette la patte sur moun qui commet crime sa yo, arrêter et puis traîner devant la justice. Nous tout mobiliser pour la justice blaye tout partout et pour zak sa yo pas y encore. Le gouvernement m'a informé et puis commence le travail. Je vais prendre toute disposition qui est nécessaire pour chercher trace tout bandit, quel que soit côté ou caché. Je dois arrêter, je dois juger et je dois condamner d'après la loi. Je réaffirme ma détermination pour renforcer les mesures de sécurité, pour protéger la police à tous les compatriotes, et puis quel que soit étranger qui sous territoire national. Mon cap travail pour assurer la sécurité, mérite toute protection et soutien pendant qu'il a fait devoir. Je demande aux populations en poté collé à l'autorité pour bailler toute information qui t'a capable d'aider dans l'arrestation responsable zak atroce. Sécurité et justice, c'est un gros combat qui m'a des têtes collées pour garantir un avenir côté tout le monde qui a le même droit et puis capable de vivre sans cœur sauter. Je dis, on a prié pour les héros qui disparaissent pour les familles, qui ont joué force et courage dans un moment difficile. Sacrifice pas d'être inutile. Et c'est pour le moment ça a inspiré nous redoubler les efforts pour nous bâtir une société côté la paix, la justice et la sécurité, blaye tout partout. La paix doit réussir. Là, c'est PM Gaïkouni, monsieur qui a annoncé que ça crivé, c'est un gros calotte, c'est un gros soufflette que l'État prend et l'annoncé que avant longtemps, que yo pral bay réponse avec bandi armé ça. Est-ce que je dis, hein, comme c'est premier action qui rive sous Gaïkouni, qui c'est un PM nommé et conseil présidentiel en tout, est-ce que monsieur dame sa yo, entre yo, est-ce que yo dit yo vraiment que yo pral prend toute disposition pour arriver by réponse avec ça qui rive. Est-ce que nous avons quitté ça, c'est Dinabdi, en termes de discours? Est-ce que vous allez poser action? Parce que je que nous connaissons en pile acteur deal, je dis, il n'y a pas moment discours encore. Je dis, il n'y a pas moment dialogue encore. Je dis, il n'y a pas moment pour nous têter langue avec bandit armé. Selon ça, en pile observateur dit, c'est moment pour que y ait une réponse proportionnelle, une réponse dit sévère qui baille avec nek armé sa yo. Est-ce que réponse n'a pas le bail? Est-ce que ça arrive vraiment quelqu'un de solution capoté avec lui-même? Je dis, hein, ni conseil cap dit que li indié, ni PM nan cap dit li indié, je dis là,
nous pas qu'à apprêter l'indignation, c'est mobiliser ensemble ressources que nous avons pour que nous permettent des réponses qui baillent, établir sécurité en d'un pays. Il écrit noir sur blanc. La police, c'est lui qui monopole violence légitime. Nan. La police, c'est lui-même qui a toute andi responsabilité nan agi nan non l'État et autorité pour m'da di bien. Y a tout pouvoir pour agir nan nos peuples haïtiens. Il suffit que agir la pote de bons résultats la permettre que la vie reprenne. Si jodi, messieurs, dames, soit conseiller yo, et même ta PM Garekoni, si yo pense se chita de kamera yo, nan micro de bureau yo, pour annoncer, à faire de promesses, à faire de belles discours, n'a dit yo clairement que